Bonjour à tout le monde, à tous ceux qui vont prendre la vidéo, alors qui prennent mes propos comme si c'est de la rigolade. Ouais. À tous ceux qui pensent que c'est de la rigolade et à certains qui se disent que j'ai peur. C'est normal qu'on soit effrayé à un moment donné de la vie. C'est normal que quand on est encerclé par des personnes. Moi, je ne vais pas parler de ça. Hein. Je vais donner le soin à ma tante de parler de ça. Parce que franchement, je n'ai plus rien à dire. Ouais, là, je suis dans l'obligation de vous montrer que je vais bien. Je suis dans l'obligation de vous montrer que je vais bien, que je tiens bon, mais j'ai pas peur. J'ai pas peur de qui que ce soit. J'ai pas peur d'ouvrir ma grande gueule. J'ai pas peur de vous insulter. Parce que vous également, vous m'insultez. Mais je ne suis jamais arrivé au point où je vais vouloir la mort de quelqu'un, comme vous avez voulu ma mort. Certains vont croire que c'est un buzz. Quand c'est un buzz, vous savez, quand c'est un buzz, je sais, j'arrive pas à expliquer. Donc, c'est là où tu te rends compte que, mais franchement, les Camerounais sont en train d'arriver à l'extase. Ils sont en train d'aller à l'extrême. C'est pas un buzz. La plupart de mes internautes sur Messenger, sur WhatsApp, ont reçu mes audios, mes échanges. Ce n'est pas un buzz. Je ne viens pas là pour faire un buzz. Et je ne viens pas pour que tu me donnes la morale. Je ne viens pas là. Je ne suis pas venu m'asseoir ce matin. Parce que depuis hier, je suis là au calme. Je pouvais aussi prendre ma caméra. Je commence à parler. Mais je n'ai pas la force. Je veux juste te dire que si je meurs, s'il m'arrive d'être assassiné au Maroc, je sais d'où ça vient. Et ça vient des abeilles. Je vous laisse faire ce que vous avez envie de faire. Et sachez que vous ne m'intimidez pas. Ça ne me fait pas peur. C'est pas que j'ai peur. C'est que je m'inquiète plutôt pour ce qui peut vous arriver. Parce que nous tous, nous avons les allées, nous avons les retours. Vous n'êtes pas les seuls à connaître les Mbangando. Sinon, je serais étalé dans la rue, couché mort, ensanglanté. Donc vous n'êtes pas les seuls qui pouvaient faire la même chose que vous êtes en train de me faire aujourd'hui. Vous ne me faites pas paniquer. C'est juste que j'ai de la compassion pour vous. J'ai de la pitié pour vous. Parce qu'à un moment donné, vous avez pris Facebook pour de la réalité. Je ne vais pas venir m'expliquer, mais je veux juste dire aux gens et à tous ceux qui ont reçu mes voices, qui ont reçu mes conversations, que si je meurs, toi, cette femme qui est en train de commanditer ma mort avec ton mari, tu es passé par l'Algérie, le Maroc. Si tu t'amuses avec moi, je perce le ballon gonflable langue par langue que ton frère va prendre. Tu n'es pas sûr. Tu penses que c'est toi seul qui as le monopole de payer l'incassa pour égorger les gens. Je peux aussi faire la même chose. Ton frère ici, non. Ton beau frère là, non. Ton beau frère là, non. Fais seulement gnac. Fais seulement que tu veux seulement gesticuler avec moi. Moi, je suis un gars bassin. Je n'ai plus peur de la mort. Hein. Les petites personnes que vous avez amenées là, s'il fallait qu'on me tue, c'est que je suis étalé mort. Mais parce que je suis intelligent. Parce que je sais utiliser mon cerveau au lieu de mon clitoris. Est-ce que Flo t'a envoyé aller tuer le neveu de Maléba? Est-ce qu'elle t'a envoyé? Est-ce qu'elle est au courant de ce que tu es en train de faire? Voilà pourquoi je vous ai dit que laissez papy tranquille. Papy ne connaît rien dans cette affaire. Si papy était une mauvaise personne, papy ne m'aurait pas dit si, ça, ça. Il ne m'aurait pas recadré. Mais parce qu'il n'est pas une mauvaise personne, il m'a tiré la sonnette d'alarme. Ma mort proviendra des abeilles. Est-ce que Flo t'a envoyé pour venir m'assassiner, pour commanditer ma mort? Tu oublies que ton frère ici, je peux faire en sorte que quand il va aller Boza, on le kidnappe, il arrive là-bas en Europe, étant zinzin, que même ses facultés mentales, il n'est plus. Et vous avez fait comme ça là. Certaines personnes sont aussi venues s'allier. Certaines personnes sont aussi venues entrer dans la course. Actuellement,
eu au moins ces trois groupes. Je connais déjà le deuxième, le premier, la première vague. Et je sais que c'est toujours toi qui es derrière les deux autres personnes qui vont venir. Je sais. Mais sache que s'il m'arrive quelque chose, tu vas mettre ta fleur de lit dans les problèmes. Sache-le très bien. Peut-être je ne suis même pas au courant qu'elle t'a envoyé. Peut-être je ne sais même pas qu'elle t'a appelé. Elle a fait un direct. Elle vous a dit que l'abbé, ça m'a laissé le tranquille. Le cas, ça m'est terminé. Tu n'arrives pas à comprendre. Moi, je ne veux pas accuser quelqu'un. J'ai eu les photos de la fille. J'ai eu les photos de son mari. Je sais qui est derrière cette chose-là. Et je viens dire, et ma famille au courant, notez très bien, j'ai une famille. Jusqu'ici, vous me donnez les conseils. Vous avez vu ma mère prendre sa caméra, venir parler sur Facebook. Vous avez vu mes tantes prendre les caméras, venir s'exprimer dans les réseaux sociaux. Vous avez vu mes oncles parler. Vous avez vu les membres de ma famille parler. Pour l'heure, c'est vous les followers qui êtes en train de parler. Ce n'est pas les membres de ma famille. Hein. Donc sachez que je ne suis pas, mon cordon ombilical n'a pas été enterré dans Facebook. Je ne suis pas sorti d'un arbre, je suis sorti d'une famille, de deux familles, paternelle et maternelle. Ils n'ont encore rien dit jusqu'ici. Donc, mets bien dans ta tête. Et toi là, tu as ta chance. Hein? Tu as ta chance que je ne suis pas à la maison. Toi le PD là, toi la salope là. Mon père t'avait contacté. Mon père t'avait contacté, il t'a payé pour ton service. Tu as pris mes documents, tu es parti remettre. Tu as pris mes documents, tu es parti remettre. Toi, le petit PD là, tellement tu as fait le jansan sur toi, tu es devenu marron clair. Il faut très mal te méfier de moi. Allô, champion. Oui, bro. Oui. Attends, je te rappelle. Hein. Oui, je te rappelle. Sache que de la même manière que tu as les gars au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Turquie, vous tous là, je dis bien que vous tous, personne ne va rien me faire ici au Maroc. Je vais demeurer ici. Je vais rester ici. Tu veux faire passer mon crime comme un crime politique. Pourtant, ce n'est pas les gars de la politique. C'est vous qui connaissez ma vie. Un, je n'ai jamais été prêtre. De deux, je suis pasteur. Vous connaissez mieux ma vie. Pourtant, ma mère vit. Ma mère, elle est là. Ma mère vit. Ma mère jusqu'ici ne vous a pas encore répondu. Elle n'a encore rien dit. Vous croyez que ma mère n'a pas un cœur? Ou elle ne voit pas tout ce qui se passe sur Internet? Ou elle n'est pas au courant de ce qui se passe? Ou c'est toi qui m'appelles? Tu me dis, pense à ton avenir. Donc toi, tu connais mieux mon avenir que moi. En fait, c'est toi qui es Dieu, quoi. Hein? Si je comprends bien, c'est toi qui es Dieu. Toi, tu connais mieux mon avenir. Est-ce que Flo t'a envoyé pour venir m'assassiner? Imagine hier, je mourrais. Imagine un peu hier, les gars que tu as envoyés avant que mes gars ne viennent. Il m'arrivait d'être là, couché au sol. Donc vous croyez que je ne vais plus marcher au Maroc. Je vais rester ferme à la maison. Je suis là, même manger me dépasse, voilà ça. Même pour manger, je n'ai pas l'appétit. Pas parce que tu es en train de m'enlever. J'ai le moral, j'ai le mental, je suis un gars bassa. Chez nous, les bassons ne baissent pas la garde. S'il faut insulter Flore, je vais l'insulter aujourd'hui. Je vais l'insulter demain. Je vais l'insulter après-demain. Il n'y a que elle seule qui a la capacité de m'appeler, de me dire, mon petit, calme-toi, ne m'insulte plus. Elle m'a insulté, je l'ai insulté, c'est fini, non? Tu oublies que tu as beau ça. Je connais ta vie très bien. Tu es passé ici, là. Tu as eu un enfant avec ton mari, avec qui tu es. Vous deux beaux ailleurs. Tu as eu un enfant. Tu as accouché le deuxième, tu as deux enfants. Est-ce que tu as pensé à tes deux enfants? Ma mère peut t'assassiner spirituellement, elle peut t'assassiner physiquement. Je ne sais pas si tu es au courant. Va bien te renseigner au quartier Nkomondo qui était la famille Songhe. On va te dire pourquoi mon père a déménagé du quartier Bali. Renseigne-toi très bien à Bali qui était la famille Songhe. On va bien te dire là où je viens. Toi le petit PD là, je ne sais pas, comme tu as déjà fait le jansang, tu es devenu comme l'huile rouge des Bafia. Avec tes pieds comme les semi-remorques. Toi le PD là qui a la tête avec les cheveux ébouriffés, on dirait que c'était le panier de ta mère que tu as mis sur ta tête. Quand je vais te retrouver? Quand je vais te retrouver à Yaoundé, quand je vais te retrouver, je vais te faire une citation directe. Note ça très bien. Quand je vais te retrouver, parce que mon père t'a rendu, tu as demandé, on t'a payé, n'est-ce pas? Tu as demandé qu'on te paye pour le service, n'est-ce pas? On t'a payé pour ce service-là. Quand je vais te retrouver, tu as fait un dernier voyage. Je ne sais pas si tu es rentré au Cameroun actuellement. Peut-être vous croyez que Facebook, là, vous êtes les seuls à avoir les services de renseignement partout. Je vous ai dit que je suis dans Facebook depuis 2002.
Depuis 2002, je suis dans Facebook. Il n'y a rien qui peut se passer sur la toile que je ne suis pas au courant. Voilà pourquoi quand ça a commencé, j'ai fait un post. Je vous ai dit dans ce post-là que si ma mort vient, tu es Fokwe avec tous ses alliés. Parce que j'étais déjà au courant qu'il y a quelque chose de similaire de ce genre qui est en train de se combiner. Donc ça ne m'a pas surpris. Lorsque j'ai eu la confirmation, je suis resté calme. Et quand hier c'est arrivé, je pouvais venir te donner ton identité la dernière fois que j'ai fait la vidéo. Mais je suis resté calme parce que t'es très bête, t'es pas stratège. T'es très bête, voilà pourquoi je te dis que l'école est bien. Tu es très bête. Sache que de la même manière que tu es venu me menacer ici, on va te visiter. C'est moi qui te dis ça. Je suis un petit fils de Makiza. De la même manière que tu es venu me menacer, on va te menacer. On va te rendre la même pièce. On ne va pas passer par tes acolytes à côté. Toi, je te bloque. Les voilà qui ont recommencé, je te bloque. À moi, une sale femme qui ne sait pas laver ses fesses. Après qu'elle va venir insulter, on va dire que l'enfant elle l'insulte. Vraiment, moi, une pourriture comme ça. Je ne vais jamais m'arrêter de vous insulter. Notez bien ça. Mon ADN, c'est les injures. Si vous m'enlevez les injures, vous m'avez tout enlevé. À moi, une imbécile, elle ne connaît même pas faire l'amour. Avec ses lèvres vaginales qui sont au vent, je dirais que c'est le puits de sa mère. Une salope comme ça, une imbécile. Ses mollets sont là comme le troncandant, une sale chienne comme ça. Elle vient m'appeler pédé. Ton propre mari est pédé, tu sais pas ça. Je suis pédé, j'ai une belle vie ici. Ma tante va venir détailler tout ça ici. Et je le dis encore que si ma mort vient, Flore, tu devais payer. Peut-être tu n'es pas au courant, mais tu devais le payer. Si ma mort vient, c'est l'une de tes abeilles les plus proches. Elle est courte, claire de peau. On va donner son identité ici. Les mêmes gars que tu as envoyés t'ont envoyé dans le show. Tu ne savais pas. Tu ne sais pas que les mêmes gars que tu as envoyés, mes parents qui sont ici au Maroc connaissent les mêmes gars. Mes parents qui sont ici au Maroc connaissent les mêmes gars. Et je vais contacter Brekete tout à l'heure. Note bien. Je vais contacter Brekete tout à l'heure. Il va faire le boulot. Et quand ton frère, dis-le à ton frère de rentrer au Cameroun. Parce que quand il va vouloir prendre, comme tu as raté, moi, je ne vais pas te louper. Comme tu as raté ton plan, si je te loupe, c'est que mon père qui a moi en train de dormir ne m'a pas accouché. C'est que je ne suis pas sorti de son sperme. Je vais te faire ça dur. Maintenant, tu vas marcher, tu contrôles tes arrières. Comme vous avez pris Facebook pour la réalité, vous croyez que moi, vous allez vouloir, vous allez penser. Mon ami, on peut s'insulter, on peut se clasher. Quand vous m'insultez, je vous insulte, ce n'est pas fini. Jusqu'à vous rester, vous préméditez la mort. Mais allez tuer Maléba. Mais tuer compresseur, pourquoi vous venez tuer son neveu, vous a fait quoi? Je vous ai fait quoi? Vous ne pouvez pas me faire passer des nuits blanches. C'est impossible. Je suis Bassa. Je ne suis pas sorti. Je suis Bassa. Et de surcroît, tu veux dire que comme je clash Kamto, Ahmed Kamen n'a pas insulté Paul Bien ici. Ahmed Kamen n'insulte pas Kamto ici. Ahmed Kamen n'insulte pas les gens ici. Qui n'insulte pas? Quel activiste n'insulte pas qui ici là? On a déjà menacé Ahmed Kamen jusqu'à venir l'encercler pour tendre un guet-apens. On ne l'a jamais fait. Papi n'est au courant de rien. Je dis bien qu'il ne connaît rien. Laissez papy tranquille, il ne connaît rien. Si ma mort venait là, ça devait être Flore. Peut-être qu'elle n'est pas au courant, mais c'est l'une de tes abeilles. Je te dis là que c'est l'une de tes abeilles proches comme ça. On m'a montré la photo, les conversations, les captures d'écran. Ce n'est pas les trucs raffinés avec le voice enregistré de leur conversation. Le gars est à Casa. Si je mens, que le gars vienne me dire cela, que grand frère ou petit frère, tu mens. Quand je vous appelle que venez donner à manger, voilà un repas que je ne peux pas manger. Qui va le manger? Les gars même qui mangent, qui font la marche là. Je veux les appeler que les gars venez manger, ils ne sont pas là. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas soif. Si j'ai faim, je sais vers qui crier que maman c'est chaud, j'ai faim. Vous n'êtes ni mes parents, ni mon père, ni ma mère. Vous n'êtes rien. Quand on vous demande que faites les bons yeux, le peu d'argent que ma mère peut m'envoyer, que mon fils, serre tes poches avec, je sais que c'est chaud. Tu ne m'as jamais rien demandé. C'est encore dans cet argent que j'enlève pour m'occuper de vos frères bousailleurs qui sont ici au Maroc. Quand vous allez alors me tuer, il faudrait qu'à votre place, que vous puissiez les donner à manger. Toi, tu es au Maroc, tu es à Casa. Quand je vais t'envoyer Brekete une fois, tu vas sentir ta douleur. Quand je vais t'envoyer mes gars deux fois, tu vas sentir ta douleur. Ce que tu as commencé, hein, tu vas terminer. Tu ne vas pas t'arrêter là. Tu vas terminer ce que tu as commencé. Tu vas donner l'exemple à d'autres agresseurs qui sont ici. Que quand on vous envoie aller faire du mal, prenez l'argent, vous mangez, vous vous asseyez. C'est comme ça que ça se passe. Quand on vous envoie aller tuer quelqu'un, prenez l'argent de la personne, asseyez-vous. C'est la même manière, Flore. Peut-être que ce n'est pas toi qui avais envoyé le chasseur. Moi, je ne suis pas là pour venir te clasher ou t'accuser sur quoi que ce soit.
Moi, on m'a dit que voilà la fille. On m'a montré son identité. Et je vais t'envoyer l'identité de la fille. Pour ça, ne te dérange pas. Avec les conversations, pour que quand chaque fois je te disais cela que Flo, si tu prends ta caméra, tu dis à tes mouches là que arrêtez de clasher l'abbé Samet. On n'a pas de problème. Tu ne l'as jamais fait. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés, jusqu'à ce que je te pousse à bout. Pèse les cœurs. Mais ça pesait les cœurs avant. Imagine alors un moment donné, quand on m'avait fait du mal, on m'avait tué. Flo, tu aurais gagné quoi? Rien du tout. Tu n'aurais rien gagné. Allô, papa? Ouais, papa. D'accord, papa. Oui, bien. Sache qu'il y a aussi les mêmes gars. Que ce soit Mbré qui était le chef des Bangangou, moi aussi je peux le payer. Je ne pense pas que c'est toi seul qui peux payer les gens. Moi-même aussi je peux le payer. Il fait la même chose. Je peux aussi le payer. Je peux payer. Je dis que tous les gars, les Westlaf là, je peux les payer tous. Je peux payer tous les Nandja, les Nkassa. Et tu sais très bien qu'ici au Maroc, ce n'est pas les Camerounais qui ont le monopole. Hein. C'est les gars Nandja. Hein. Les gars Nandja, même pour 10 dirhams, ils te tuent pour rien. Hein. Je peux appeler un Nandja là, même pour 10 dirhams, il t'assassine pour rien. Quand lui va d'abord rester, il va dire que non, notre grand si. Quand on a les problèmes, c'est lui qui est là. Même si c'est 50 dirhams, il nous donne. Même si c'est 100 dirhams, il nous donne. Il va faire le coup. Tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr de toi. Quand tu es abeille, il ne faut pas souvent penser négativement. Hein. Le clash ne tue personne. Hein. Vous voulez mettre mon crime sur le dos de la politique. Non, comme j'ai les problèmes avec mes ex-confrères, j'ai fini avec eux depuis le Cameroun. Toi, le petit PD là, je vais te retrouver. Mon ami Herman t'avait contacté. Il t'a donné mes éléments. Il t'a envoyé les choses. Tu n'as pas été payé pour ce service-là. Tu n'as pas reçu plus de 350 000 pour ce service-là. Tu n'as pas reçu l'argent pour ça. Tu as reçu l'argent, non? Comme tu es un PD qui s'est fait baiser dans les pays arabes, là où tu es parti là-bas à Dubaï, là. Sache qu'on va te visiter même là-bas à Dubaï. Comme tu as la tête défavorisée, avec ton anus qui coule. Tu penses que l'anus qui coule comme toi, tu as la fille de mettre le Ndian sang sur toi, tu es devenu violet. Quand tu me vois bien, tu as vu que mon Ndian sang est violet. Comme tu es déjà ma tante, tu veux me bindre dans le même bangala que moi. Il faut faire très attention. Je dis bien, il faut faire très 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 attention. On ne t'a pas payé pour ce que tu as rendu comme service. Quel genre de service même d'abord que tu as rendu? Quel service tu as rendu? Vous voyez comment, quand tu as un bon fond, tu veux être en paix, en phase avec tout le monde. Il y a toujours les petits imbéciles comme ça là. Il y a toujours les petits tintins comme ça. Tu m'as connu au Cameroun, tu m'as connu que j'avais faim, j'avais soif. Tu ne connais pas ma vie. Ma vie qui a été détaillée là sur Facebook, vous ne la connaissez pas. Vous ne connaissez rien de moi. Je dis bien rien. Le jour où je vais vouloir parler de moi, c'est quand la politique de mon pays sera stable. C'est là où je viendrai parler. Pour l'heure, je parle de rien. Dites ce que vous voulez. Inventez tout ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Adonker. Je dis bien que Adonker, rien à foutre. Moi, un vieux pédé comme ça, là, une imbécilette comme ça, là, une salope, tu la vois, elle est sale. Tu portes encore les sébagos. En plus de 2018, tu portes encore les sébagos. Ta grande soeur, qui a une entreprise ici au Maroc, comme tu dis que je suis venu faire où c'est froid et climatisation, c'est l'entreprise de ta grande soeur, non? C'est ta grande soeur qui a l'entreprise, non? Si tu t'amuses avec moi, je le visite ta grande soeur. Tu t'amuses avec moi que tu fais niaque, je visite ta grand-sœur. Tu n'es pas sûr. Vous pensez que c'est vous seul qui connaissez intimider. Allez intimider peut-être les autres ethnies au Cameroun. Hein. Mais il y a les gars Bassa qu'on n'intimide pas. Hein. On ne nous fait pas ça. Hein. C'est nous les maquisards, c'est nous qui avons apporté le maquis au Cameroun. Donc tu ne peux pas venir me commander. Tu ne peux pas. Vous ne pouvez pas me faire peur. Je suis là, je marche librement tête haute. Celui qu'on a envoyé, toi qui es à Kaza. Tu ne sais pas que Kaza, c'est le quartier le plus difficile, le plus dangereux. Tu ne sais pas que Kaza, c'est l'un des quartiers les plus dangereux. Tu n'es pas sûr que étant là-bas à Kaza, je peux commanditer qu'on te fait la même chose. Tu penses que toi-même, tu es en sécurité. Tu penses que tu es cerclé. Ou tu dis que grand frère, envoie-nous les éléments. C'est parce que je ne veux pas mettre les voices. Et j'ai dit à ma tante, laisse, on ne met pas les voices. Parce que ça, c'est les preuves qu'on a gardées. Et je te rassure que ça, c'est déjà l'ambassade. Ces preuves-là sont déjà dans les deux ambassades. Comme je suis congolais, non, c'est déjà là-bas. Donc si quelque chose m'arrive, on va te ramasser, Flo. On va ramasser ton abeille. Moi, je suis en train de te prévenir. Moi, je te dis seulement que si ça m'arrive,
on va ramasser tes abeilles. Parce que tout ce qui se passe là sur Facebook, il y a la cybercriminalité qui est là. Il y a les gens qui nous suivent. Il y a les gens qui enregistrent. Quand tu dis Kacham, le Kacham peut sortir de partout. Et qui a donné le mot d'ordre? C'est toi. Et comme j'ai la certification, la certitude que c'est ton abeille que tu as envoyée pour l'abbé Samé, c'est très facile. On va seulement te mettre pour complicité de meurtre. Voilà pourquoi je vous dis chaque fois que vous n'aimez pas Flore, vous l'avez induit en erreur, vous vous êtes entouré autour d'elle pour la faire tomber. Vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. Donc imaginez un peu un seul instant que le Kacham que vous avez envoyé, ces gars-là, comme ils sont arrivés, ils m'exécutaient. Il finissait là, là, koyala, choukran, safi, baraka. Imagine un peu qui venait là. Ils font tout ce qu'ils ont à faire. Ils finissent, ils partent. Tu penses que moi, ma famille ne va pas me venger, quoi? Dès que ton frère, si tu t'amuses avec moi, que tu t'amuses encore de m'intimider, le boza de ton frère, soit on va le jeter dans la mer. C'est moi, tu as dit que moi, il veut boza, non? Je vais te montrer que c'est moi qui contrôle les convois des bozailleurs. Je vais te prouver que je contrôle le convoi des bousailleurs. Le pouvoir de l'argent, je vais te montrer ça. Je peux appeler. Le jour seulement qu'il se déplace pour partir, on pèse, on le jette dans la mer. On l'abandonne en forêt. Je fais qu'on l'abandonne en forêt. Par exemple, moi, il ne va jamais Boza. Je ne suis pas stade. Je vous dis ça tout le temps que je suis pas stade de Boza. Je suis pas stade de prendre la Méditerranée. Et ma nationalité camerounaise, toi, le petit PD là, toi qui fais les dossiers de voyage là, j'étais à contacter un jour pour un dossier de voyage. Je t'ai dit pourquoi est-ce que je devais venir, non? Comme vous connaissez ma vie, quand tu vas finir, je vais venir dans le détail. Mon père t'a contacté. Mon frère Herman t'a contacté. Il t'a remis plus de 350 000 pour le service que tu as rendu. Ta grande soeur a une entreprise, elle a une société ici au Maroc pour visiter ta grande soeur, c'est rien. Je dis bien pour visiter ta grande soeur, c'est rien. Comme tu es malade là dans la tête, comme vous avez pris Facebook, vous croyez que c'est la maison de votre père. Tu es bloqué. On t'a dit que je suis là pour venir perdre mon temps, connasse. À moi une conne comme ça là. À moi une salope. On t'a dit que je viens perdre mon temps ici là. À moi une folle comme ça, une stérile. Attends quand je vais envoyer la photo à ma tante. Elle va bien te publier avec tes voices. Écoute bien. Comme tu crois que tu es plus intelligent que moi, comme tu as la sagesse des montagnes. Tu crois que tu es très intelligent, tu es plus wise. Attends. Écoute bien. Voilà. Les gens qui sont en train de penser que c'est le bluff ou c'est le buzz, ou alors je suis en train de, comme ils me disent, tu veux te faire voir, je viens me faire voir avec quoi sur internet? Attends, les vues rapportent quoi? Facebook paye quoi? Les gens qui pensent que, comme l'autre là, depuis hier, oh tu es en train de mentir, je vais mentir sur ma vie mon frère, je vais mentir en disant que ma vie est en danger. Non, je ne vais pas venir vous montrer que j'ai peur, je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas, jusqu'à ce que tu dis que grand, si tu veux que j'organise, dis-moi seulement j'organise. J'ai déjà envoyé mes gars à Gaza. Les gars sont quittés de Gaza. Ils sont à Kinetra actuellement. On envoie la patrouille. On ne sait rien pour le retrouver. Jusqu'à si je manque, dis que je manque. Tu n'as pas dit que tu vas organiser avec une femme. Genre, tu vas dire que comme moi je fais dans mon association et autres, tu vas manager une femme. Quand la femme va venir me demander de l'aide, c'est là où vous tendez le guet-apens et c'est fini. Ce n'est pas ce que tu as dit. Hein? Je n'ai même pas faim. C'est que. J'ai commandé depuis hier, depuis avant-hier. J'ai mangé quand? C'était avant-hier, non? Dans le bus. Après, l'appétit est parti. En fait, c'est que j'ai compris à quel point les Camerounais sont méchants. Les Camerounais sont sataniques. Donc, tu restes, tu dis que grand. Non, on commandite, non, ça c'est rien. Tu as déjà monté le plan de guerre. Comment tu vas assassiner l'enfant de Trouy? Mon frère, tu es venu te chercher au Maroc. Sache que les mêmes gars que tu vas utiliser pour venir m'assassiner vont t'assassiner, vont assassiner toute ta famille. C'est moi qui te promets. Sache que les mêmes gars, si tu es sage, assions-nous.
Parce que moi, j'aime le dialogue. Assions, on parle. Posons comme des hommes. Parce que cette affaire, j'ai même pas envie que ça parle là où ça peut pas parler. Ça peut devenir autre chose. On peut devenir ici comme Irak-Iran. Je peux rendre cette affaire Irak-Iran. Je n'ai pas besoin d'aller à la police. Je règle ça aussi comme à la rue. Je règle ça comme un bangado. Je n'ai pas besoin de partir à la police porter plainte. Je peux aller porter plainte. J'ai le frère de mon père ici là qui travaille au compte de l'ONU. Je pouvais aller là-bas. Je lui ai dit que tonton, voilà, je ne veux pas. Je ne vais pas porter plainte. Même quand vous avez publié, toi le PD là, tu aurais d'abord une citation directe. Voilà pourquoi je ne vais pas porter plainte à papy, hein, ni à Valérie Ndongo. Hein. Je vais te mettre, je vais te faire une citation directe. Rentre au Cameroun. Si tu es au Cameroun actuellement, je te donne 24 heures. Si tu es au Cameroun actuellement à Yaoundé, je te donne 24 heures, tu seras visité. Ta grande soeur, c'est maximum 45 minutes après mon direct. Elle va te dire que l'abbé Samema fait quelque chose. Tu n'es pas sûr de toi. Tu n'es pas sûr de toi. Tu n'es pas sûr de toi que ma grande soeur, ta grande soeur qui est ici au Maroc, je donne 45 minutes, on retrouve ta grande soeur. Tu peux prendre les documents, monter à deux pièces. Tu viens me faire passer pour cette personne, que je suis en froid et climatisation. Quelqu'un alors qui n'est pas prêt, il fait quoi avec une soutane? Vous connaissez mieux ma vie, pourtant ma mère vit. Je fais quoi avec une soutane? Les gens m'ont vu en train de prêcher l'évangile. Les gens m'ont vu avec la soutane, en train de prêcher, en train de lire les messes. Toi alors, moi je ne suis pas prêtre. Je ne suis pas pasteur, je n'ai même pas un master 2, je n'ai rien. Toi, tu as alors tout ça. Regarde comment tu es lâche. Tu voulais qu'on baise toi, moi. D'abord, un, tu es comme une femelle, tu es une tapette, tu es une fiotte. Tu es comme une tapette, tu n'es rien, tu ne représentes rien. Regarde comment l'aigreur, la haine est sur toi. Quand tu vois un enfant qui brille, là, le talent, tu veux piétiner, tu veux éteindre mon talent. Tu es qui? Tu es quoi? Tu es qui? Tu es... J'ai dit que mon oncle va te faire une citation directe tout à l'heure. Tu es bloqué, salope. Vends-moi une imbécile, vends-moi un microbe comme ça. Moi, il faut avoir peur de vous. Oh, voilà, mon frère, dis donc. Allô, je te rappelle, gars, pardon seulement, je te rappelle. À vrai dire, hein, pardon, quand je mets une information, pardonnez, vous savez, ce n'est pas pour vous faire peur, c'est parce que trop d'appels, trop de messages, trop de trucs, c'est pour ça que j'ai dit que d'appeler les gens qui appellent, tu parles, vaut mieux faire une vidéo, comme ça autour de cette vidéo, vous comprenez de quoi il s'agit, parce que depuis hier, mon téléphone, j'ai même éteint. J'ai arrêté tout. Pardonnez, laissez d'abord, pardon, laissez ma tête se reposer. La situation est gérable. Pour l'heure, la situation est gérable. C'est vrai que le moral n'est pas là. Mais je n'ai pas peur de quelque chose. Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Je vais rester ici au Maroc. Je serai maire ici au Maroc. Je vais m'implanter ici au Maroc. Je vais réussir là où toi, tu n'as pas réussi ici au Maroc. Quand tu es venu avec ton mari, tu as besoin, non? Tu crois que tu es en sécurité? Je vous ai déjà dit, quand vous avez les enfants, hein, évitez de faire de mal aux enfants des autres. Parce que tes propres enfants ne peuvent pas être épargnés. Tes propres enfants ne peuvent pas être épargnés. De la même manière, je peux payer même quelqu'un, on injecte seulement le lait à ton enfant, c'est fini. Peut-être vous croyez que c'est vous seul qui avez le cœur dur. Peut-être quand vous nous voyez dans les réseaux, vous pensez que nous aussi, on ne peut pas cultiver la même haine que vous. On ne vend pas le mauvais qu'au marché. Hein. On ne naît pas méchant, hein, on devient méchant. On ne naît pas méchant, on devient méchant. Je peux contacter le président des Bangando qui vous fait ça serrer ici au Maroc. C'est la dernière fois que vous venez m'intimider par la mort. C'est la dernière fois que vous me faites peur. Je dis bien, c'est la dernière fois. La prochaine fois, je vais mettre mon plan en exécution. Je ne vais même pas parler. Comme j'ai déjà parlé là, c'est bon. La prochaine fois, je ne vais plus parler. Vous allez seulement entendre les mots à gauche, à droite. Vous voulez venir m'assassiner, moi? Vous allez venir me tuer, moi, je suis quoi? Juste parce que vous me dites, sors des affaires des clashs. J'étais d'abord dans mon clash. J'ai dit ici, là, devant plus de 900 personnes connectées actuellement. Flore, si un jour je t'ai offensé, c'est parce que c'est toi qui as donné le OK. Moi, je ne suis pas là que je ne vais pas cacher mes mots. C'est toi, Flore. Parce que depuis longtemps, l'abbé Sametta dit, ma mère, ma faux, ça ne te coûte rien de prendre ta caméra, de dire aux abeilles, depuis là, je vous vois jacasser. Laissez alors l'enfant là, tranquille dans son coin. Il ne vous a rien fait. Si j'ai commencé à tirer sur toi, est-ce que c'est à tort? Je veux comprendre. Répondez-moi un peu. Donc je me suis levé un matin comme ça, commencé à dire que oui, Flore comme ça, un Flore pute, Flore bannière, elle avait veuve joyeuse comme ça. Non, il y a un début à toute chose. Et si vous analysez bien, c'est vous qui avez poussé le bouchon loin. Ce n'est pas l'abbé. Je ne riposte, je ne fais que riposter. Maintenant, ma riposte vous fait mal. Au point où vous voulez m'assassiner, Flore, si je meurs, ton abeille sera arrêtée. On va te prendre pour complicité de meurtre. Je te dis une vérité. On va te prendre pour complicité de meurtre. Vous voulez tuer l'enfant de qui? Je vous ai fait quoi? J'ai tué quelqu'un? J'ai tué quelqu'un?
On n'entre pas dans les classes. Vous êtes ma mère, vous avez déjà payé un mois de loyer ici chez moi. Vos propres frères Bozaïe sont les dormes dans la rue. Vous êtes incapables de vous occuper d'eux. Voilà l'hiver qui arrive bientôt. La paix en train de se casser la tête. Comment est-ce que je vais faire pour prendre les appartements pour ces gars? J'ai déjà mis un litige ici. Je paye leurs appartements, j'ai déjà mis les litiges ici. Mon propre appartement, il y a 3 mois de loyer payé. Mais je me soucie que les appartements des autres soient payés. J'ai déjà mis un litige pour ça. Vous voulez me tuer pour les vues, pour la visibilité, notoriété de Facebook donne quoi? Je veux savoir. Ou vous venez me dire, tu es trop jeune, je suis trop jeune et tu viens clasher un enfant qui est trop jeune? Tu viens clasher un enfant? Franchement, vos leçons de morale, d'éducation civile et morale là, s'il vous plaît. On cherche encore les professeurs au Cameroun, là-bas à Mendong, en Kondongo, partout là, dans les pays, dans les coins retirés là-bas. Allez donner cours. Oh là là. S'il te plaît, ma personne, je te rappelle, je suis en direct. Ouais. Allez donner cours à vos enfants qui sont loin là-bas, qui sont retirés. On cherche les professeurs au Cameroun, on ne vous voit pas. C'est l'enfant des autres que vous appelez. Hein? Arrête la manipulation. Il ne faut pas qu'on te manipule. Qui va me manipuler? Mon ami, j'ai été ordonné. J'ai eu un cursus en tant que théologien. J'ai fait la théologie. Qui va venir me manipuler? Quand je veux dire quelque chose, je le dis, je crie à haute voix. Tu ne vas rien me faire, tu ne peux rien m'apporter. Tu ne peux rien m'apporter. Si tu mets mon budget, ok, si tu vas alors que je quitte Facebook, voilà mon budget, 1000 euros tous les mois. Tu ne peux pas me donner 1000 euros tous les mois. Tu peux me donner 12 000 euros tous les mois. Si tu n'arrives même pas à donner 50 euros à tes frères Bozaïe qui marchent, c'est 1000 euros que tu vas venir me donner. C'est 1000 euros que tu vas venir me donner. Tu ne peux rien m'apporter. Même les conseils, là, je ne vais pas écouter. Tu n'es pas ma mère. La seule personne que ma mort fera mal, c'est ma mère et ses soeurs, les membres de ma famille. Toi, tu n'auras pas mal. C'est eux qui vont perdre. Alors laisse-les perdre, non? Ma mère t'a déjà dit que ce que je fais sur Facebook, elle est contente ou elle n'est pas contente. Elle t'a déjà donné son opinion. Mes parents t'ont déjà appelé un jour pour te donner leur point de vue. Oh, quitte la manipulation, oh, on te manipule. Qui va me manipuler? Même ma propre tante qui est là m'a déjà dit. Elle m'a déjà donné des conseils. Elle m'a dit, on te piétine, tu piétines propre. Pourquoi on doit me piétiner dans mes témoins? Allez faire ça là-bas chez les patriotes ou chez les gars de la base. Allez faire ça chez les gars de la base. Vous allez venir faire ça chez la baie sa mère. Vous allez venir faire ça chez l'abbé, ça nous n'est pas honteux. La plupart des vieilles femmes là qui se font appeler abeilles là, la plupart d'entre vous, c'est les vieilles femmes qui ne travaillent pas. Qui dit que tu es ça? Vous vivez de quoi? Les vieilles chouettes là. Toi, la vieille chouette là, tu vis de quoi? Tu ne vis pas du RSA? Tu travailles où? You know où? Avec ton mari qui a la tête comme les cloches, vous travaillez où? On va allonger le pied avec quelqu'un qui a la bouche penchée comme si l'AVC avait cassé sa mâchoire. Tu vas venir tuer l'enfant de qui? Je t'ai tué quelqu'un. Tu m'as insulté, t'es insulté, non? Toi, la pétasse abeille là, quand tu es venu me provoquer, je t'ai pas lavé. Je t'ai bien lavé, tu m'as lavé, non? Où alors le problème? Mamie, où est le problème? Tu m'as pas insulté, je t'ai pas insulté. Donc c'est pour ça que comme on a dit que le cacham, tu as dit que ok, comme c'est le cacham, à la guerre comme à la guerre, tuons-le. Donc tu as déjà fini avec la bouche. Tu as déjà fini avec la bouche. Porte tes manjanja là, tes seins qui sont comme si c'était le ballon du ping-pong. Avec tes joues qui sont comme le ballon du baseball. Porte tes seins là. Avec tes 120 kilos, envoie ton mari qui est court comme le mois de février. Avec son corps cramé, on dirait que c'est les rides de veuvage. Sa peau ressemble à la peau d'un bois, d'un serpent bois. Appelle ton mari que vient face to face. Appelle ton mari que face to face. Je ne peux jamais me soumettre dans la vie. Je ne vais jamais me soumettre face à vous. Je ne vais jamais. Et note bien, en plus de tout ça, c'est que quand je dis franchement, hein, ce n'est pas pour un tribalisme, je ne viens pas faire un tribalisme, mais à vrai dire au Cameroun, le peuple Bamileke, franchement, ils ont un problème. Ce n'est pas pour venir faire un tribalisme ou pour venir insulter les Bamileke, non. Je ne peux pas le faire, mais au fond de vous, vous avez vraiment un problème. Vous avez un problème. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le fair play. Vous ne savez pas ce qu'on appelle le fair play. La plupart d'entre vous, les Bamileke, vous ne connaissez pas. Et dans tout ça, c'est que c'est les Bamileke. Et vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le fair play. Que quand te clash, tu le clashes. Après, tu dis, allons le tuer. Mais il faut avoir le fair play. C'est pour ça que nous, les gangs, quoi, les gars, pas ça. Nous, on connaît le fair play. Quand il faut aller en guerre, on part en guerre. Quand ça avait les mains, on part avec les mains. Si tu nous tapes, on n'a pas honte de dire que tu nous as tapé. On essuie la sueur, on porte ton sac, on va te déposer à la maison. Le lendemain, tu nous tapes encore. Jusqu'à aller commanditer l'assassinat d'un enfant. Ce n'est pas tous les Bamileke qui sont pareils. Mais il y a une certaine race là. Il y a...
Jusqu'à tu restes comme ça, tu oublies que tu es passé par le Maroc. Au lieu même de rester, tu te soucies un peu que, hé, je suis passé par là, je connais la souffrance de la Manche. Les gars qui souffrent, le petit garçon n'a mieux de rien. Jusqu'à tu. Comme moi, tu peux m'effrayer avec l'agression, mamie. Tu me dis que je t'interdis de mettre les pieds ici en Europe. Mamie, j'arrive. Je suis en route. Pour te montrer ça, oh, je te préviens que je suis en route. J'arrive. Donne-moi juste d'ici septembre, là, j'ai fini mes examens, les autres. J'arrive te montrer que je suis là, j'ai fini et rentre. J'arrive à te montrer que je suis là, que je suis sans papier. Non, j'ai fini, je rentre. C'est toi qui connais ma vie. C'est toi qui as dessiné ma vie. Tu connais mes parents. Tu étais même là quand mon père baisait, ma mère fait pipi dedans. C'est toi qui l'as accouché. C'est toi qui m'as fait sortir. Pensez à tes parents. Dans ta famille, il n'y a pas les gars de 27 ans que tu peux donner des conseils. Hein? Il n'y a pas les gens de 27 ans dans ta famille que tu peux donner les conseils. Appelle les gens de ta famille, donne-les les conseils, non? Tu es sûr que ma famille ne me conseille pas? Ma famille me soutient à 100% aujourd'hui, demain et après-demain. Ils sont fiers de me voir dans les réseaux sociaux. Ils sont fiers de savoir que je suis pété. Ils sont fiers de moi parce que ce sont eux qui me soutiennent. Ce n'est pas toi. Tu ne peux pas me soutenir, tu ne peux rien m'apporter à part les petits conseils, les trucs comme de ce genre. Mais tu ne peux pas m'apporter quelque chose parce que c'est ma mère qui sera perdante, comme tu le dis. Ce n'est pas toi. Mais attends un jour qu'elle vient te dire que je serai perdante. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Vous croyez que vous pouvez me faire passer les nuits blanches? Un petit pédé de rien du tout? Un petit énergumène? Toi, alors sache que ton plan a raté. Un, tu vas appeler la femme. Regarde comment tu es très bête. Moi, j'aime les Joe. Je n'aime pas l'ego. Il faut déjà bien mettre ça dans ton cul. Toi, l'imbécile qui est là-bas à Casa, là, sache que moi, j'aime les Joe. Je n'aime pas l'ego. L'ego, pour moi, c'est la distraction. J'aime les Joe. Donc, au moins, c'est de dire que, bon, on va même passer par un Joe. J'ai, il va venir un peu, j'ai un système de drague et tout ça. Là. Peut-être il peut un peu tomber dans le mouchop. Mais tu ne dis pas ça. Tu dis qu'on va envoyer une go. Elle va faire comme si elle cherchait l'appartement. Et puis, on le tangue de guet-apens. Non. Tu penses que sinon, tu regardes trop les films Nanja. Hein. Tu es trop dans les films. Des USA. Hein. Pourquoi tu es trop dans, pourquoi tu regardes trop la télé comme ça? Tu as mangé le matin. Tu es sûr que tu as mangé. Mais appelle-moi, tu me dis, mon petit, assieds-toi, dis donc, viens, on parle. On va parler comme des hommes, mais après, c'est fini. Sache que ce que tu es en train d'organiser là, il me suffit juste de faire cacham, d'appeler mon père. Je dis qu'envoie. Je dis, j'appelle seulement mon père, je dis qu'envoie. Tu es mort. Donc, tu connais que ici à Casa, ici au Maroc, on peut te tuer comme ça là, il n'y a rien, non? La police marocaine ne gère pas les détails. Je peux seulement bipper et dire qu'ok, papa fait. Donc moi, j'aurais peur de sortir de chez moi. J'aurais peur de vivre ma vie. J'aurais peur de marcher. Parce qu'il y a une bande d'abeilles et de putes qui m'empêchent de marcher. Je vous lave aujourd'hui, je vous lave demain, je vous lave après demain. Je vous lave que tous les jours. Comme vous n'aimez pas, comme vous êtes nuisibles, vous n'êtes même pas des abeilles, vous êtes des guêpes. Comme vous êtes nuisibles comme le clitoris de vos sales parents qui vivent dans les quartiers difficiles. Vous pensez que tout le monde est pareil. L'autre vient me sortir là-bas que c'est un buzz. Je vais venir faire un buzz avec ma mort, mon frère. Moi, je ne suis pas Billy qui est venu dire que je suis mort. Pourtant, il n'est pas mort. Moi, il ne veut pas venir mentir pour ma mort. Ma vie est en danger. Je ne veux pas venir dire que oh, oh, vous voulez me tuer. Pourtant, on ne veut pas me tuer. C'est vrai. Ça a été commandité. Et là, il y a cette vie. Et il y a encore un autre groupe qui a payé pour ça. Les gars m'ont certifié. Il y a cette vie. Il y a encore un autre groupe qui m'a payé. Ce n'est pas dans le cadre de la politique, je vous dis bien. Ça n'entre pas dans le cadre de la politique. Et sachez que les deux autres là, j'aurai vos informations. Il n'y a rien qui dure chez l'abbé plus de 7 jours. Il n'y a rien, aucun problème qui fait plus de 7 jours chez moi. Je n'ai pas la solution à ce problème. On va vous retrouver. Vous serez visité. Toi d'abord la fille là, un, on va d'abord t'afficher. Sache d'abord que un, on va t'afficher. Ça ne te dérange pas, mais déjà ça vient dans ta tête. Donc l'argent que tu as commencé, les kémés que tu as commencé à envoyer au Joe là, tu vas seulement envoyer ça comme ça là, ne t'arrête pas. Hein. Tu vas envoyer ça. Regardez comment vous êtes terriblement bêtes. Vous ne mitez même pas les exemples des Ivoiriens. On voit les Ivoiriens ici se clasher. Vous avez déjà vu un blogueur, une blogueuse ivoirienne, aller dire qu'elle a assassiné telle personne ou telle personne. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu ça où? Vous avez commencé avec ma tante ici, vous avez envoyé le chasseur. Si le chasseur est terminé. Maintenant, comme c'est fini, vous êtes aussi venu. Donc, tellement vous réalisez que l'homme quoi est tellement fort que quand il prend sa caméra, il te touche, ça te fait mal jusqu'au clitoris. Tellement tu as mal que ta chatte commence à baver comme pour un bébé de 8 mois. Mais vous n'avez pas dit que vous avez aussi la bouche?
Vous nous avez aussi dit que vous aussi vous êtes dans les quartiers difficiles. Pourquoi quand on vous touche là où ça fait mal, vous renvoyez les gens qui allaient tuer? Pourquoi vous pensez qu'on règle tout avec le sang? Sachez alors très bien que dans Facebook, il y a la cybercriminalité. Et tout ce qu'on fait, toutes nos vidéos sont archivées. Tout est dans des archives. Donc quand le sang d'un blogueur, d'une blogueuse va couler, la justice va faire son travail. Hein? Les religions traditionnelles vont faire pour eux. Maintenant, la rue aussi va se charger de faire sa part. Si vous voulez le bain de sang, peut-être vous ne pouvez penser que c'est vous ceux qui connaissez les gens qui sont à l'extrême. Si vous voulez qu'il y ait un bain de sang ici, il y aura ce bain de sang. J'ai dit que ça va venir au Maroc, ça va vous toucher là-bas en Europe. Ça va commencer au Maroc, ça va vous toucher en Europe. C'est moi qui vous dis quelque chose. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi faire mes études tranquille. Je ne vous ai jamais provoqué. Vous tous, vous êtes venus m'insulter. J'ai répondu. Flore a demandé l'arrêt des guerres. J'ai arrêté ma guerre. Est-ce qu'elle est au courant que c'est toi qui es derrière cette affaire-là? Est-ce qu'elle sait que c'est toi? Koya. L'homme noir, l'homme noir, l'homme noir, j'ai tué qui chez vous, je vous ai fait quoi? Je vais marcher librement, venez faire. Ah, ah. On va venir tuer l'enfant là, on va venir assassiner l'enfant là. Allez tuer l'abbé Samé. Allez tuer la, tuez-moi. Ne restez pas à mourir. Ne restez pas amoureux, tuez-moi. C'est bon. Ça fait. Tuez-moi, hein. Tuez-moi. Ne restez pas mourir. Ne pensez pas à vos vies. Hein. Pensez à l'avenir de l'enfant de quelqu'un d'autre. Ou l'autre, ça là-bas. Hey, tu as pensé qu'après là, tu auras des difficultés à trouver le travail. Quelqu'un veut venir dans ton entreprise, il ne faut pas me donner le travail. Quand je vais venir dans ton entreprise, ne me donne pas le travail. Chasse-moi. Tu as pensé à ton avenir, pense à ta mère. Tu aimes trop ma mère. Les gens qui sont ici au Maroc, tu ne te soucies pas, c'est ma mère que tu aimes. Tu m'aimes trop. Tu m'aimes trop. Les gens qui sont en train de commenter là, envoyer, fais ci, fais ça. Gagner alors quoi? Après tout ça, vous allez gagner quoi? Après m'avoir alors assassiné, vous allez gagner quoi? Vous n'êtes pas, regardez, vous n'êtes même pas sûr que ce que vous avez déjà déclaré là, vos messages et vos captures d'écran là, rien qu'avec ce que vous avez déclaré là, quelqu'un d'autre peut prendre et pas faire un meurtre. Ça tombe sur vous. Hein? Donc là maintenant, moi je vais vous mettre au travail. Moi, je vais vous mettre autre. Peut-être vous êtes allé à l'école, peut-être vous n'avez pas la sagesse du village, la sagesse des montagnes. Hein. Avec tout ce que vous avez déclaré, le cas Chamla que vous avez envoyé, l'abeille qui est partie à payer les gens que allons faire, dites-nous seulement ce qu'il faut faire. Vous n'êtes pas sûr qu'avec ça, quelqu'un d'autre peut venir me faire la peau ici, la vraie de chez vrai. Vrai de chez vrai, me fait la peau. Vous avez livré ma vie ici, là, dehors. Franchement, même le clash a des limites. À un moment donné, même le clash, ça a des limites. Même le clash. On n'a pas insulté ma mère ici. Quand j'insulte vos parents, vous avez mal. Même le clash a des limites à un moment donné. Quelqu'un d'autre, même Ahmed Kamel qui est là, même Rose MT qui est là, elle peut dire que, ok, voilà sa photo, voilà son nom. Faites-le quelque chose, me fait quelque chose. La preuve, quand vous avez publié ma nationalité camerounaise, si c'était que je l'utilisais vraiment, ça m'aurait fait mal.
Mais parce qu'il sait que je ne l'utilise pas. Et que quand quelqu'un va partir commettre quelque chose, moi j'ai tous mes papiers. J'ai tous mes papiers, j'ai tout ce qu'il faut là. La personne va dire où est-ce qu'il a trouvé. Et regardez donc comment vous êtes en train de mettre papy même dans le choc. Hein? Tu es bloqué. Voilà. Si tu crois que je suis là pour vous supplier, c'est moi qu'on regarde, ce n'est pas toi. Imaginez un peu, toi le PD là, qui a pris mes documents, tu es parti donner. Imagine un peu que papy, comme il a publié ça, quelque chose m'arrive, ou quelqu'un prend mes documents pour aller faire quelque chose. Peut-être vous ne connaissez pas bien mes oncles, vous jouez encore. Peut-être jusqu'ici, vous jouez encore, vous ne connaissez pas bien mes oncles. Vous ne les connaissez, vous ne savez pas très bien les timbres avec lesquels ils marchent. Peut-être vous ne les connaissez pas bien. Imagine que quelqu'un fasse ça. On va mettre ça sur le dos de qui? On va dire que c'est papy qui a mis les documents dehors. Et on ne va pas arrêter la personne. On va arrêter un innocent pour rien. Pourtant, il ne connaît rien dans tout ça. C'est pour ça que je vous ai dit, même dans le clash, soyons loyaux. Soyons loyaux même dans le clash. L'abbé Samé a demandé pardon à Flore Delis. J'ai demandé pardon à la mère de Flore. Flore m'a dit que la guerre est finie. Elle a fait un direct. Mais ça, c'est fini. Ce n'est pas fini, maman. Au point où tu peux encore commanditer ma mort. Au point où vous partez encore commanditer ma mort, maman. Si je meurs, vous gagnez quoi? Si je meurs, vous gagnez quoi? Et vous avez déjà commencé avec ça. Vous êtes parti boxer Marie-Charlie. Vous êtes parti taper Marie-Charlie. Ndongo, la fortune Ndongo. Sorti son œil là où elle sent mal. Tout ça pour venir mettre sur le dos de la TKC. En fait, ce que vous avez fait, c'est que tellement vous pensez que vous êtes très sage. Vous avez déjà attaqué la fortune pour dire que, ok, comme l'abbé Samé sait que c'est la fortune Ndongo qui a mis ses papiers dehors, alors l'abbé a envoyé les gens se venger et en retour, les fans de la fortune sont venus se venger chez l'abbé Samé. Là, vous vous dédouanez, vous quittez. Vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes pas sage. Vous êtes très bête. Les abeilles, vous êtes très bêtes, vous n'êtes pas intelligent. Toi, l'abeille, là, t'es très bête, t'es pas intelligente. T'es pas intelligente. Vous avez tapé cette fille. Sorti l'œil. Maintenant, pourquoi on met ça que c'est Maléba, c'est sa team qui est partie tabasser et en retour, on a assassiné son neveu. Moi, je dis ça là maintenant pour que demain, après demain, s'il m'arrive quelque chose, j'ai déjà détaillé, j'ai fait mon enquête, j'ai détaillé. Il n'y aura plus à se casser la tête. Maintenant, alors que vous avez fait ça, en retour, il fallait aussi maintenant prouver que lui, même son neveu aussi, on a rendu la pièce. Pourtant, c'est la même personne qui est derrière toutes ces choses-là. Elle est assise là tranquillement. Elle dit que j'ai les gars sur. J'envoie. Je peux aussi te rendre visite cette nuit. Je peux aussi te rendre visite. Quand vous posez des actes parfois, hein, il faut souvent réfléchir au pour ou au contre. Là où j'en veux un peu, papy, c'est que quand il a publié les documents, il pouvait même au moins se masquer. Mais il n'a rien masqué. Il a dit, genre, je laisse ça frire comme ça. Pourtant, moi, je vous assure que quand j'ai lancé mon direct dimanche, samedi, j'avais tout. Je vous dis que j'ai tout. L'acte de naissance, carte d'identité, passeport, tout. J'avais tout. On m'a tout envoyé. Je dis bien tout. J'avais tout d'eux. Je pouvais aussi venir, je commence à taper mon cinéma là. Et dis que voilà, je publie aussi sa crue. Les photos du passeport que j'ai publié là, c'est même flouté. Qui peut connaître son identité? Qui peut connaître son identité? Tout est flouté. Parce que moi, je ne sais pas faire du mal. Je ne peux pas avoir le cœur de venir publier la personne. Publier les documents officiels. Vous ne savez pas que les documents officiels de quelqu'un, c'est sa vie. Mais vous jubilez, vous vous réjouissez. Imagine alors que moi, je n'avais pas le cœur de pardonner. Parce que les gens m'ont dit, tu n'aurais même pas dû pardonner à papy. Tu n'aurais pas dû prendre son argent. Imaginez un peu que je n'avais pas le cœur du pardon. Parce que le pardon, c'est un don. Le pardon, c'est un don. Imaginez que je n'avais pas le don du pardon. Dieu disait, tu as publié mes documents officiels. Je m'allais te porter plainte. La fortune même, je laisse de côté. Je dis que c'est toi qui as mis ça officiel, c'est mes documents officiels. Je ne peux pas porter plainte. On fait ce qu'il y a à faire. Il ne devait pas s'en sortir. Il ne pouvait même pas s'en sortir. Je prenais mon oncle, j'allais en salle dans un centre de psychiatrie. Il disait que ça m'a traumatisé. Comme vous croyez qu'il n'y a que vous qui pouvez faire le cinéma dans Facebook. Hein? T'es bloqué. Voilà. Avoir un PD comme ça qui vient fantasmer sur moi. Quand vous pensez que c'est vous seul qui connaissez faire, moi aussi je peux faire la même chose. Je peux aussi faire pareil. Je peux aussi me jouer les victimes. Pourquoi nous les savoir? Pourquoi nous les quoi? On ne connaît pas jouer les victimes. Pourquoi nous on n'a pas peur du choc?
Je me pose un peu souvent la question, pourquoi moi aussi je ne peux pas faire comme les gens là aussi? Pourquoi je ne peux pas faire la même chose? Pourquoi je ne peux pas faire la même chose? Vous avez tout monté, vous avez envoyé, le petit PD là a pris mes documents, il a l'envoyé. Parce que tu veux que papy te baise, il ne te baise pas. Il ne te baise pas, ton pong n'est pas doux. Papy ne t'épine pas. Va chercher un autre pinard ailleurs. Quand je vais finir ici, je vais te lancer un direct retour. Spécial abeille de Fleur de Lille qui est venue m'assassiner avec la bande du trio des trois. Je vais m'asseoir sur toi, le petit PD qui est au Cameroun. Si tu es rentré actuellement, tu as 24 heures, tu auras une citation directe. Tu as 24 heures, tu auras une citation directe. Fais pas mon oncle, petit frère de ma mère, directement. Il va te faire ça dur. Si tu t'en sors de ça, tu sauras. Ce n'est pas papy qui m'a dit, hein. J'ai mené mes enquêtes et j'ai su que c'est toi. Parce que le document que tu as fait sortir, ça a donné directement l'indice. Et j'étais bien piégé, tu es tombé. Vous avez dit que tout ce que je mets dans Facebook est calculé. J'étais piégé, tu es tombé, bang. Quand j'ai pris l'attestation, j'ai mis, bang, tu as mis le document. J'ai dit que voilà, je sais déjà qui est derrière. Si ce n'est pas toi, c'est ta grande sœur. Vous aurez une citation directe, vous allez aller répondre là-bas. Et avec tout ce qu'on m'a encore envoyé comme élément vous concernant, avec ce que vous avez fait, donc ne croyez pas que vous allez vous en sortir. Vous pensez que vous êtes intelligent. Vous croyez que vous êtes trop sage. Donc famille, ne vous inquiétez pas, je vais bien. J'ai rien eu physiquement. Le moral, c'est vrai, il n'est pas très très haut. Ça va, tranquille. Donc, on reste calme, on reste positif. Que les gens ne confondent pas le virtuel pour la réalité. Flo, tu as tellement de mauvaises personnes qui t'entourent. Il y a tellement, je ne suis pas en train de faire une comédie, hein, je suis sérieux. Il y a tellement de mauvaises, j'ai pas envie de, je pleure pas devant les gens. Je ne trempe pas devant les gens. Tu as tellement de mauvaises personnes qui t'entourent, qui vont un jour passer à l'acte. Et ça va tomber sur toi. Parce que quand je te vois, tu es très impulsif. Tu es tellement impulsif. Et il y a des gens qui se servent de ça. Il y a des gens qui ont quitté leur village. Ils ont laissé la sorcellerie au village. Ils sont venus installer ça dans Facebook. Et ils se servent de toi. Je ne te manque pas sur ce que je suis en train de dire dans ce direct aujourd'hui. Je te jure sur la tombe de mon père. Sur tout ce qui m'est cher. Hier, j'étais à deux doigts de perdre ma vie, de mourir. À deux doigts. J'étais à deux doigts de perdre ma vie, de mourir, commandité par l'une de tes abeilles proches. Comme je suis en train de te décrire, elle est claire de peau, courte. En fait, elle fait le jansan. Elle est courte. Elle a un mari. Ils viennent d'arriver en Europe. Ils n'ont pas pris le vol. Ils mentent. C'est pour ça que je t'ai dit que dans ta type, il y a tellement de menteurs. Ils n'ont pas pris le vol. Ils ont Boza. Ils sont venus en Europe que par le Boza. Le deuxième enfant, c'est un indice que je te donne. Le deuxième enfant est né en Europe. Le premier est né au Maghreb. Tu peux déjà savoir de qui il s'agit. Tu peux déjà savoir de qui il s'agit. Je ne vais pas donner son identité parce que moi, je suis très intelligent. Et c'est parce que je suis intelligent que je te donne juste des indices. Appelle cette dame. Dis à cette dame que j'ai aussi une famille. Je peux aussi rendre la même chose à la personne. Je peux faire pareil et plus pire même. Je peux faire plus pire. Renseignez-vous très bien pourquoi la famille Songa a quitté Bali. On va vous dire qui était mon père. Bon, vous croyez que comme c'était un cadre à la Bissec là, il ne faisait pas aussi dans les fausses choses. Renseignez-vous très bien. Peut-être les hommes d'affaires qui comprennent le nom Songa David, ils peuvent vous dire qui était ce monsieur-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Peut-être vous connaissez très mal mon départ. Vous connaissez très mal de mon origine. Renseignez-vous encore très bien. Mais toi, le petit PD du Cameroun, la petite salope là qui fait dans les voyages, qui dit qu'elle fait voyager les gens, on t'a payé pour ton service. Tu sais pourquoi je suis parti du Cameroun très tôt, non? Parce que tu es venu détailler ma vie ici. Tu sais très bien pourquoi je suis parti du Cameroun très tôt. Pourquoi est-ce que mon tuteur t'a contacté? Elle a envoyé mon cousin, Eman, avec 350 000 te déposer. Tu sais très bien pourquoi elle t'a contacté. Parce que mon père ne pouvait pas faire mener ce dossier de la manière la plus rapide. Et comme c'était toi qui pouvais se charger, on t'a payé pour ton service. On t'a payé pour ce service. Tu as fait ce qu'il fallait faire.
Eux, en retour, se sont servis de Marie Charlie. Ah! Parmi vous, il n'y a personne qui a eu ce que j'ai eu là dans Facebook. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Sachez alors que tout ce que vous avez fait sortir là, quelqu'un d'autre peut commanditer ma mort. Et on fait porter ça sur votre dos. Donc, toute votre vie, sachez-le très bien que toute votre vie, vous allez me prendre en charge. Oui. Sachez que si quelque chose m'arrive, vous allez répondre. Comme vous n'avez pas su que Facebook a des limites, moi, je ne vais jamais porter plainte à quelqu'un. Je ne vais jamais le faire. Même mes oncles leur ont dit, vous laissez tomber l'affaire. Je vais jamais. Moi, je connais régler mes affaires. On va régler ça à la rue. De la même manière, toi, le PD là, je vais prendre ta vidéo sextape. Je vais publier ça à tous les membres de ta famille. Comme tu dis que tu n'es pas PD. Je vais prendre ta vidéo sextape. Je vais publier ça à tous les membres. Et je vais d'abord faire qu'on va bien te goder. C'est moi qui te dis ça. Moi, je connais très mal me venger. Hein. Je peux être un ange, je peux être un animal quand il le faut. Je vais faire qu'on te gode bien. Comme tu as publié mon identité. Je vais faire qu'on te gode. On va te goder de la manière la plus musclée. On va bien te goder. C'est moi qui te dis. On va publier tes photos, tes vidéos sexuelles. Tu vas me faire rapporter de l'argent. Je vais mettre ça sur du porno. Tu vas me faire gagner de l'argent. C'est moi qui te dis. Comme tu penses que les enfants des autres, on peut s'amuser avec eux. Je vais te faire ça dur. Mets tes pieds sur terre. Tu étais à Dubaï, non? Même là-bas, je vais appeler mon équipe. Peut-être vous croyez que comme j'ai 27 ans là, j'ai pas la salle, je ne suis pas vieux. Je n'ai pas traîné avec les Wise Bangado. Je vais te traiter ça. Tu vas venir faire peur à qui? Vous allez venir intimider qui? Je vais me venger propre. Je le dis ici, Hora. Je ne suis pas là pour venir masquer ou je vais jouer par derrière. Allez dire ça à vos parents, à vos familles. Je vais me venger correctement et bien. Je vais me venger propre et en douce. Je vais faire ça en douce. Toi, tu es à Kaza, tu oublies que le plus grand Bangando ici, là, je peux aussi l'appeler. Je peux l'appeler justement que, gars, voilà 1000 dirhams. Gère-moi les coordonnées des gars, là. Ils me gèrent les coordonnées, là. On pousse ça comme on peut pousser. On pousse ça comme on peut pousser. Venez coigner les têtes des gens ici. Qui on a déjà insulté ici dans Facebook? Il a fait quoi que ce soit. Comme vous voulez mettre tout le monde dans votre registre de piment. Tout le monde fait le piment. Tout le monde est pédé. Tout le monde fait la pute. Je suis un gars bassa. Je suis digne de porter ce sang. Vous n'êtes pas digne de vos origines. La preuve, vos noms, vous ne mettez pas. Vous avez honte de vos noms. Vous avez honte de vos parents. Vous avez même honte de votre couleur de peau. Tu es arrivé en Europe, tu as blanchi ta peau jusqu'à ce que tu es devenu plus blanche que Blanche Neige. Avec tes chaussures comme le petit chaperon rouge, le petit PD là qui est là-bas au Cameroun, jusqu'en 2021, tu m'as encore les Sebago. Pendant que les Sebago, je me souviens, mon père avait payé les Sebago en quelle année? C'était en 2001. C'était en 2001 que j'avais eu ma première mocassin. C'était les Sebago, oui. C'était ma première Sebago. En 2005, ça avait les boucles ou c'était les trucs là au niveau. Tu es la sale. Quand il dit que sale, c'est même pas petit sale. Tu es sale, tu as fait le jazz, c'est ce que. Toi seul, tu es devenu deux couleurs. On ne sait pas dans où tu es albinos. Où tu es, on ne sait pas dans quelle catégorie d'indiens sans te placer. On ne sait pas. Tes cheveux sont là debout, debout comme pour bête à la folle. Tu ne peux même pas aller utiliser ultra doux. La gamme ultra doux pour tes cheveux. Tu ne peux pas aller utiliser ça. Quand tu vois un enfant qui se coiffe, qui est beau, qui a une belle peau, une belle bouche, les yeux revolvés, tu as mal. Tu écartes tes poils avec tes poils qui sont dans ton pubis enroulés, enroulés, enroulés. On dirait que c'était de gazon qui était en Djombe Pendja. Tu te réveilles le matin, la bouche sang. Tu réfléchis encore comment tu vas arnaquer les gens en disant que dossier de voyage. Dossier de voyage. Tu peux faire voyager qui? Tu peux faire voyager qui? Avec ta tête comme le porte-monnaie, les anciens porte-monnaie que ma Maria utilisait. Tu es là comme ça, tu ressembles au maquereau fumé. Ton corps est déjà devenu comme si c'était la morue. Les yeux qui sont dilatés. L'orbite a déjà quitté les yeux. Tu es là comme ça, les mollets, les minces mollets, tu ne peux pas porter les culottes. Parce que tu as les pieds qui sont fines, on dirait que c'est les mungondos séchés de Bomono. Tu es là, tu ne ressembles à rien. Tu ne ressembles à rien. Tu as le front comme la bouteille de taupe. Tu viens là-bas, tu ne sais même parler français, tu ne sais pas parler français. Tu dis que tu es Yaoundé, tu es quel Yaoundé? Qui te connaît au centre? Avec tes fesses comme les galettes de 25-25 à l'époque, qu'on vendait en 2000 ou c'était 2002-2003.
Tu es là comme ça, là, tu es les fesses qui sont moumou. On dirait que c'est les bébés maïs. Comme tu es là, comme si tu étais bête à la folle. Tu, un homme pédé comme toi, tu ne peux pas aller prendre les bombes accessoires. Tu me fais un peu les nappies. Va même contacter Lolo Fondja. Elle va te mettre un actionnaire ou c'est sur qui là qui fait la marque, l'ingérie, ou c'est Napi de quoi. On va te mettre en avant, tu peux même une gamme pour essayer un peu de faire le lifting pour tirer tes cheveux qui sont enroulés comme les poils qui sont dans ton pénis. Imbécile. Tu me connais ouf. Quand je vais m'asseoir sur vous, peut-être tu ne me connais pas bien. Toi, l'animal là qui a la bouche comme le poisson avec ta coupe carrée. Tu es là, en 21e siècle, mon ami, on fait la crête. Voilà ça. Au 21e siècle, on fait la crête. On ne fait plus la coupe carrée. La coupe carrée est démodée. Tu es là au 21e siècle. Tu fais encore la coupe carrée. Tu es là, tu es laid comme le magasin des femmes Bangsois. Tu ressembles au camp Beto. Tu ressembles à quoi? Tu peux ouvrir ta bouche le matin comme il vient de me réveiller là. Tu es là le matin, un vieux père comme toi, tu réfléchis encore. Je vais manger quoi le matin? Je sais déjà ce que je vais manger le matin quand je me réveille. Toi, tu vas manger quoi le matin? Connasse. Papi ne va jamais te baiser si c'est ce que tu voulais. Que comme tu devais t'allier là-bas, il ne te baise pas. Le gars baganté là, c'est mon gars. Il ne te lime pas la chatte. Au soin, tu es mort dans ton filet. Personne ne va te baiser, même chez les abeilles. Tu as tapé poton, ne te lime pas. Va d'abord bien poncer ton corps avec tes cernes comme les pommes de terre. Tu es là comme ça. Là, si vous le voyez, il va te publier dans Facebook. Si vous le voyez à quoi il ressemble, tu vas pleurer sur toi. Il est comme la bouteille de taupe. Bon, il n'est pas, l'élégance, il n'a pas. Son front est comme le porte-monnaie de sa grand-mère. Il vient, il sort aussi, il dit que je vais venir clasher la baisse. Mais tu peux clasher qui? Younaou. Younaou, papa, tu peux venir clasher qui? Je vais te servir ça. Attends-moi. J'arrive à la maison. Je vais te... De toute façon, c'était même pas pour toi. C'était juste pour assurer mes internautes que... Ne vous en faites pas. Ça va tranquille. Ma tante va se gérer du reste. Elle va vous apporter plus de clarté. Donc, restons concentrés, restons positifs. Bonne journée.